Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment désactiver les publicités dans le menu démarrer. Alors il peut arriver que dans votre menu démarrer, donc là où vous trouvez vos programmes qui sont installés, que des fois vous ayez des suggestions d'applications. Donc en fait ce sont des publicités qui viennent se mettre dans le menu démarrer. C'est Microsoft qui active cette option par défaut sur Windows 10. Et donc je vais vous montrer comment on fait donc pour désactiver ces publicités. Donc pour ça, on va se rendre donc dans le menu démarrer. On va aller ici sur la roue dentée dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, on va aller dans la catégorie personnalisation. Une fois dans la catégorie personnalisation, on a différentes catégories juste ici à gauche. On va aller juste ici dans démarrer pour activer ou désactiver les options du menu démarrer. Donc ici il faut désactiver l'option afficher occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer. Donc moi ici je l'ai déjà désactivé, mais peut-être que vous de votre côté elle est activée. Enfin, normalement si vous avez des pubs dans votre menu démarrer, c'est que cette option est activée. Donc vous désactivez donc cette option et normalement, alors si une fois que c'est désactivé vous avez encore les suggestions d'application, normalement après un redémarrage de votre PC les suggestions n'apparaîtront plus étant donné que cette option est désactivée. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour vous expliquer comment désactiver les suggestions d'applications, donc les publicités dans le menu démarrer. Et donc normalement ça doit aussi fonctionner pour les applications qui sont installées de base, enfin en fait qu'il y a juste les raccourcis mais qui ne sont pas installés. Normalement elles devraient plus apparaître. Après on peut réorganiser manuellement le menu démarrer. Ici on peut, voilà, on peut détacher le dossier du menu démarrer. Si on peut désinstaller des applications, voilà, pareil. On peut réorganiser les tuiles. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur l'organisation du menu démarrer de Windows 10. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Donc surtout, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a aidé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Et donc surtout, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder ou les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Si vous connaissez quelqu'un en difficulté et qui cherche des vidéos pour l'aider, ou surtout n'hésitez pas, les vidéos sont là pour ça. Et sinon on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.